Bonjour Kimène, merci de nous recevoir dans ta très belle agence. On est au cœur de Ruelle Malmaison, justement dans une agence toute neuve. Et puis surtout, quand on arrive, une vitrine 100% digitale. Explique-nous ce choix, justement. Alors ce choix, il s'est fait parce qu'on a aujourd'hui un portefeuille vendeur qui est beaucoup plus grand, pas mal de biens affichés, et c'est vrai que l'écran dynamique nous permet d'afficher tous les biens de tous les vendeurs et avec un roulement sur les photos justement qui attire un peu plus l'œil. Oui, parce que quand on regarde un bien, bah, finalement, il y en a plusieurs justement dans l'affiche digitale. On a vraiment la possibilité d'avoir déjà une sélection de biens. Est-ce que ça change le regard du passant, ça, justement? Oui, parce que l'avantage, en fait, on les met par catégorie. Donc le client arrive devant l'écran, il va voir un bien dans son budget. Et au final, juste après, un deuxième appartement, voire même un troisième, et ça pousse le client à rentrer dans l'agence. Et les collaborateurs dans tout ça, parce que j'imagine que c'est une arme commerciale supplémentaire, hein, ce confort marketing qu'on va leur apporter, est-ce qu'ils s'en servent? Ah oui, bien sûr, parce que les clients aujourd'hui, quand ils confient le bien à notre agence, ils ont envie d'être en vitrine. Et le fait d'être sur des écrans, ça permet justement d'avoir tous les biens en vitrine, et donc ils sont très contents. Kimel, j'aimerais avoir ton avis sur ce marché justement. Là, on est en été 2024 et tu m'expliquais tout à l'heure que tu connaissais depuis quelques mois un vrai retour à une dynamique, une vraie volonté. Il y a peu d'acquéreurs, mais ils sont qualifiés. Est-ce que tu as ressenti vraiment ce phénomène de manière accentuée? Est-ce que l'agence, justement, booste un peu cet effet-là, tu penses? Alors, 2024, il faut savoir une chose, c'est que ça a été assez compliqué entre tout ce qui se passe dans le monde économiquement et puis aussi au niveau politique. Plus les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc on a quand même un marché qui est un peu frileux. Mine de rien, avec la nouvelle agence, le visuel, etc., les gens ont quand même envie et on sent un boost par rapport à une demande en fait qui s'est un peu, on va dire, perdue avec tous ces phénomènes. Et au final, on voit bien que voilà, on a un week-end, on a plusieurs demandes et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir autant de demandes quand on a un marché qui est aussi frileux. Ouais, le secret c'est aussi d'avoir du stock, hein, malgré tout, dans un marché peut-être moins dynamique. L'important c'est quand même toujours d'avoir du mandat qu'on va mettre en avant, notamment grâce aux différents écrans. Bien sûr. Et cette dynamique, là justement, les commerciaux aujourd'hui, ils le vivent comment? Est-ce qu'ils sont plutôt optimistes? Alors oui, ils sont optimistes et surtout on a des réunions toutes les semaines et on parle justement de ce côté où il ne faut pas lâcher, il faut continuer à rentrer des biens parce que mine de rien, sur une semaine où on va avoir un peu moins de clients, et bien la semaine d'après ça va repartir et on a toujours cet effet nouveauté avec des biens toujours assez sympas à regarder, les gens ont envie de venir et tout du coup. Et alors, ouvrir une nouvelle agence justement avec un investissement lourd au niveau des moyens, des outils de communication, ça c'est un vrai défi aujourd'hui dans un marché qui est moins dynamique. Est-ce que ça peut être ça justement le secret de la réussite, c'est de montrer aux clients qu'on est bien présent et malgré tout ce qu'on peut entendre, bah, on continue d'investir? Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans notre métier, il faut savoir s'adapter et toujours se renouveler. Et aujourd'hui, quand on voit un marché qui est un peu compliqué, c'est peut-être même une des meilleures périodes justement pour se renouveler et ramener justement un nouveau visuel. C'est ce qu'on a fait, c'est le pari qu'on a pris. On a fait des travaux, on a réouvert sur une période qui était assez compliquée et au final, les gens l'ont vu et ça a marqué les esprits et on est très content parce que le résultat est là. Le résultat est là, il y a Ouais. des leads, ils sont qualifiés Ouais. et les commerciaux sont au taquet. Ah oui, et ils sont très contents. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup.